Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre ma participation au concours Lilou Glam 1. Donc le thème était soit arabesque, soit Cléopâtre, Égypte. Et moi aujourd'hui, j'ai réalisé les arabesques. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc voilà pour les arabesques que j'ai fait. Alors pour réaliser ça, c'était simple et en même temps compliqué. J'ai simplement utilisé mon pinceau Sephora le numéro 15, le biseauté. J'ai fait des traits avec du liner noir tout simplement pour faire les arabesques. Et ensuite j'ai simplement, toujours avec ce pinceau-là, j'ai utilisé ce liner-là. En fait c'est un liner ELF qui est de cette couleur-ci. Donc en fait je m'en ai étalé au niveau d'ici sur la main. Donc excusez-moi, ma main elle est encore sale. Donc en fait je mettais sur ma main et je prenais avec le pinceau et je me suis amusée à dessiner les arabesques comme ça. Donc voilà, pour ça au niveau des yeux j'ai fait un maquillage inspiré d'une fille en fait. J'ai vu une photo d'un maquillage très joli et en fait je voulais le reproduire pour faire ce tuto maquillage là. Donc je vais vous zoomer un peu. Donc en fait, pour tous les fards à paupières, c'est simple comme bonjour. J'ai simplement utilisé du ELF. Donc si vous voulez que je vous réalise ce tuto maquillage, mettez-le moi dans la barre d'infos. Donc ça sera avec plaisir que je le ferai. Donc voilà, en même temps, comme ça, vous voyez de plus près les arabesques. Donc vous voyez, c'est pas parfait, c'est pas très bien dessiné. De loin, c'est beaucoup plus beau que de près. Mais voilà, et puis bon, après la coiffure, je me suis fait une queue un peu sur le côté, comme ça. Pour dégager mon visage le plus possible pour qu'on puisse bien voir les arabesques et mon visage. Au niveau des lèvres, j'ai appliqué du... Comment ça s'appelle? Je les ai camouflées un petit peu avec de l'anti-cerne en fait, tout simplement. Et par-dessus, j'ai mis la recharge de ELF. Que j'adore, comme vous le savez, j'arrête pas de l'utiliser. La teinte, c'est Peaches, je crois. Donc voilà. Donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma participation, si elle vous plaît, si vous trouvez ça moche. De toute façon, il en faut pour tous les goûts. Moi j'aime bien, je trouve que c'est assez sympa. Bon après c'est pas parfait. Voilà. J'ai aussi également mis un blush de ELF, je sais plus lequel. Et j'ai également mis au niveau d'ici. De l'highlight en fait, un petit peu aussi au niveau du nez. Ici j'en ai pas mis, j'ai pas fait de contouring, j'ai voulu faire simple et sophistiqué au niveau des arabesques. Donc j'espère que ça va plaire à Lilou Glam 1. Donc voilà, j'ai pas fait les deux même sur les côtés parce que je voulais changer, je voulais que ça fasse un peu original, pas avoir deux fois le même truc dessus en fait. Donc voilà, ben c'est tout les filles. J'espère que cette participation donc, elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous ma vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça me fera très plaisir. Donc voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.